Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où aujourd'hui on va voir ensemble comment réaliser ça. Donc ça en fait c'est une plaque qui va servir de base de décor pour une table de jeu urbaine et moderne. Donc on peut voir que il y a une route qui est en relief puisque j'ai rajouté une épaisseur en fait pour faire tous les trottoirs. Il y a des petites gravures très très simples et évidemment ensuite il va falloir venir appliquer diverses signalisations, des marquages au sol en fait, histoire d'augmenter un petit peu le réalisme de ce petit diorama. Sachant que bon, j'appelle ça un diorama mais c'est vraiment destiné à du jeu, donc on n'est pas sur du très très haut niveau de précision et de beauté, mais c'est quand même tout à fait acceptable. Pour jouer, je vais vous montrer un petit exemple avec quelques bâtiments. Donc ça, pour info, c'est des bâtiments que j'ai imprimés en 3D et peints. Donc l'avantage, c'est qu'il y a déjà tout à l'intérieur, en fait. Donc il y a déjà vraiment tous les bâtiments. Bon, je me suis amusé à les salir, à rajouter quelques petits stickers à droite, à gauche, pour augmenter un petit peu le réalisme de la chose. Et tous les bâtiments s'ouvrent. Vous pouvez les voir, d'ailleurs je vais vous indiquer le nouveau site qui va être mis à jour quasiment tous les jours avec un nouveau bâtiment. Pour le moment je me consacre au moderne, mais à terme ce sera il y aura du médiéval, de l'antique, il y aura vraiment plein plein de choses. Donc oui, tous les toits s'ouvrent, ce qui permet de jouer à l'intérieur. Ici, alors ma collection personnelle étant en 1,72e, ici c'est à l'échelle 20 mm, mais pour info c'est des choses aussi que je propose à des échelles supérieures. Donc voilà en gros ce que ça donne avec une figurine à côté. Je vais en poser quelques-uns histoire que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de la chose. Donc voilà, on pose deux trois conneries histoire de voir deux trois décors. Donc on peut voir que au niveau de la peinture du terrain, j'ai créé des zones légèrement plus sombres sur les rebords pour les trottoirs. Et un petit peu plus clair sur les autres zones, les endroits où je mets des bâtiments. Les voitures, c'est des majorettes, hein, mais bon, ça fonctionne très très bien. Et puis voilà, et puis évidemment, on peut monter en hauteur aussi. Alors celui-là n'est pas encore entièrement peint. Vous voyez, il y a plusieurs étages. Mais voilà, c'est vraiment histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Une fois qu'on a meublé tout ça, et puis après on peut ajouter vraiment plein plein de choses, hein, des petites poubelles type américaine, histoire de. Voilà, on peut dire qu'il y en a même une sur la route. Je me suis amusé à mettre des taches de sang. Vraiment, on peut rajouter plein de choses, hein, là c'est un distributeur automatique. Ici on a un distributeur de soda, type canette de coca et tout ça. Bon, il n'est pas peint encore, hein. Là c'est la matière brute, telle qu'elle sort. Donc voilà, là c'est vraiment histoire de vous montrer, mais le but aujourd'hui ça va être d'apprendre ensemble à réaliser la base, donc vraiment ce socle de 60 cm de côté. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin de plusieurs choses qu'on va résumer ensemble. Je vais juste enlever tous les décors. Donc pour réaliser ça, vous allez avoir besoin en matière première en fait de polystyrène. C'est le polystyrène qui sert à faire les isolants pour les baraques. Donc là je vais enlever ce décor-là et puis on va en faire un carrément ensemble en direct. Hop, je le pose par là. L'avantage c'est que c'est super léger, ça se range facilement si on le fait en section de 60 par 60. Donc vous allez avoir besoin de polystyrène comme celui-ci. Donc c'est vraiment l'isolant pour les baraques. Celui-ci en épaisseur je crois qu'il fait 3. Non, même pas, il fait 2. 2, mais c'est très largement suffisant en termes de solidité pour faire du diorama. Donc, du polystyrène comme celui-ci, vous pouvez le trouver à Casto, à Leroy Merlin, enfin bref, tous les magasins de bricolage. Normalement, il est vendu en plaque d'1,20 m ou d'1,30 m par 60. Donc, c'est top parce que vous n'aurez pas besoin de le recouper sur la largeur si vous faites des portions de 60 cm. Moi, j'ai choisi de faire des plaques de 60 par 60 qui s'additionnent les unes aux autres. En fait, c'est super pratique pour le rangement, tout simplement, parce que si on fait des plaques plus grandes, déjà c'est un petit peu plus fragile, et puis ensuite à ranger, il faut la place. Donc, le polystyrène. Ensuite, vous aurez besoin de d'éperon. Le d'éperon, j'en ai déjà parlé sur le tuto où je vous montrais comment faire le château. Le d'éperon, donc ça, c'est une matière qui est faite, comme j'ai déjà dit, pour être mise sous les parquets flottants, par exemple. Et nous, en fait, on va s'en servir pour rajouter l'épaisseur de trottoir, tout simplement.
Donc ça, c'est les deux matières premières. Ensuite, vous aurez besoin d'un stylo pour graver les rebords des trottoirs et puis les plaques d'égout. Vous allez avoir besoin évidemment d'un cutter pour faire la découpe du polystyrène, d'une règle, de colle type. Alors moi, là, actuellement, j'ai celle-là, c'est de la colle vinyle. La colle PVA, ça marche aussi. Vous mettez juste pas de super glue, hein, parce que sinon, vous allez faire fondre le polystyrène. Donc de la colle blanche, hein, qu'on appelle grossièrement de la colle blanche. Et je crois qu'on a fait le tour sur le matos dont vous aurez besoin. Oui, c'est ça. Il y a pour le moment, en tout cas pour la fabrication, la conception de ce terrain-là, vous n'aurez pas besoin de plus. Pour la peinture, évidemment, après, il faudra de la peinture. Donc bah là, je vais commencer par faire la découpe du polystyrène. Donc ça va être extrêmement simple. Alors là, il fait pas 60 en fait, il fait un peu plus. Donc je vais être obligé de le découper. Les petits conseils que je peux vous donner sur la découpe, c'est de bien faire attention dans la mesure où c'est assez épais, hein, ça fait 2 cm d'épaisseur. Pour avoir une découpe droite, il existe les fils chauffants, donc ça c'est super pratique. Mais sinon, au cutter, essayez de bien rester perpendiculaire à la plaque. Parce que si vous penchez légèrement comme ça avec le cutter, bah, vous allez avoir une découpe qui va être tordue. Donc le but c'est d'essayer de se mettre au-dessus, en face de votre découpe, et d'essayer d'être le plus droit possible. Et de le faire en plusieurs passages. Mais on va voir ça ensemble, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc là, on vient de faire la découpe, vous avez vu, c'est très très simple. Il ne faut pas hésiter à vraiment faire plusieurs passages, hein, dans le but de faire une découpe propre et nette. Et puis ensuite, on va choisir le côté qu'on utilise. Donc pour ça, c'est extrêmement simple. Les deux côtés étant identiques en termes de surface, on va juste vérifier les endroits qui sont abîmés. Là, en l'occurrence, ici, j'ai un poc. Donc on va plutôt se servir peut-être de l'autre côté, qui me semble un petit peu plus propre. Ouais, ce côté-là est un petit peu plus propre. Et la première chose maintenant qu'on va faire, ça va être de dessiner grosso modo les zones de rue. Alors moi j'ai fait en sorte que toutes mes plaques s'additionnent les unes aux autres, donc je vous conseille vivement de faire sur le même principe. Vu que c'est une zone de ville, ça me pose pas de problème, et puis c'est plutôt typé américain, donc c'est vraiment du quadrillage basique. Donc moi, comme on peut le voir sur la plaque, c'est extrêmement simple. J'ai une route principale qui est centrée ici. Vous pouvez le voir, hein, je vais le mettre un petit peu plus près. Qui est centrée. Et une route annexe qui est une seule voie qui est ici. Je connais mes mesures par cœur parce que voilà, j'en ai déjà fait beaucoup de comme ça. Mais la route fait 4 cm pour une voie, hein. Et ensuite, pour le trottoir, je rajoute 2 de chaque côté. Donc en fait, j'ai besoin de 8 cm pour la route simple et de 12 cm pour la route double. Donc là, je vais simplement pour le moment marquer ces zones-là pour avoir le visuel et bien me rendre compte de tout ça pour pouvoir appliquer ensuite le d'éperon sans me planter, tout simplement. Donc là, on peut voir que j'ai tracé mes routes, c'est extrêmement simple. On devine donc ici la route à une voie et ici la route à deux voies, dans ce sens-là. Ça me permet d'avoir des repères et maintenant on va placer donc toutes les zones de trottoir. En fait, on va rajouter une petite épaisseur sur toutes ces zones-là, dans le but de donner la sensation qu'il y a un trottoir et puis de rajouter un petit peu de relief. Donc, déjà, on enlève la plaque, évidemment, puisqu'on va avoir besoin de découper le d'éperon. Et du coup, il faudrait pas découper la plaque en dessous, tout simplement. Donc, moi, mes mesures, je les connais. Encore une fois, par zone, je sais que je pars sur du 28 par 25, en gros, quoi. Là, mes sections, elles font 25 normalement. C'est ça. Donc, elles sont déjà prêtes à être découpées. Et du coup, je vais devoir, bah, voilà, monter à 28, tout simplement. Alors, on a l'avantage que ce soit quadrillé.
En général, le d'éperon, enfin, c'est vrai que souvent il est quadrillé le d'éperon. Et à découper le d'éperon, ça va tout seul. Faut juste, encore une fois, ne plantez pas votre cutter comme ça, puisqu'en fait vous allez avoir un bord d'attaque de la lame dans le d'éperon qui risque de créer des petites bouloches. Si vous voulez faire une découpe propre, il faut pencher le plus possible la lame pour avoir une découpe propre qui ne bouloche pas, tout simplement. Et voilà, donc c'est super fin comme matière, donc ça va tout seul à découper. On va refaire une zone de 28, ça je le fais avec vous en direct hein, parce que c'est vraiment pas long. Donc il va m'en falloir 4. Hop. Je me fais juste une marque en fait. Puisque vu que c'est déjà quadrillé, je suis sûr de taper droit vu que je me fixe à la ligne qui a dessiné directement sur le d'éperon. Voilà, donc là j'ai mes deux zones de 28. Et donc ce qu'il va falloir faire évidemment, ça va être garder trois angles et en arrondir un. Parce que les trottoirs ils sont rarement en angle droit, hein, ce serait dangereux. Du coup, on va faire une découpe arrondie sur un des angles. Donc, à partir de maintenant, on peut remettre la plaque. Évidemment, il en faudra 4, hein, mais je ferai la découpe juste après. Celui-ci va aller. Alors, est-ce que c'est comme ça? Hop, hop. Donc là, on est pas mal. J'ai ma deux voies. Ici aussi. Et donc, avec les quatre autres zones que je vais mettre juste là. Enfin, les deux autres zones que je vais mettre juste là. Bon, je vais faire la découpe maintenant. Ce sera fait. Hein. Donc là, j'ai fait la découpe des deux autres plaques. Hein. Vous pouvez voir que je les ai rajoutées. Pour le moment, rien n'est collé. C'est important de ne rien coller pour le moment. Et je vais simplement couper mes arrondis. Et alors, ça, là, je vais le faire au ciseau. C'est du d'éperon de 2 mm que j'ai. Donc, ça pose aucun problème pour que ce soit fait au ciseau. Et je fais juste, mais alors vraiment à main levée comme ça, une simple découpe arrondie de ma feuille. Hein. J'essaie de vous montrer ça d'un peu plus près. Donc, c'est vraiment bateau. Si c'est pas tout à fait régulier, bah, c'est vraiment pas gênant puisque, puisque c'est réaliste en fait. Hein. Il y a tous les arrondis. Sont pas forcément parfaits, surtout pour les trottoirs. C'est fait en pierre, en maçonnerie, donc voilà, ça peut être pas parfaitement régulier. Alors là, par exemple, j'ai merdé. Ouais, là, par exemple, j'ai. Non, c'est bon. Ouf. J'avais peur d'avoir déconné sur l'angle. C'est pour ça que je le fais en même temps qu'ils sont posés, c'est pour être sûr de pas me tromper sur l'angle. Alors évidemment, il y en a certains que je pourrais. Interchanger, mais ça marche pas à tous les coups. Donc voilà, donc là j'ai découpé mes angles et là on a la base de mon décor, tout simplement. Donc maintenant ça va être l'étape extrêmement simple du collage, où en fait on va venir appliquer de la colle, mais on va faire ça en vidéo et en accéléré parce que c'est pas super intéressant. Ensuite, maintenant que c'est collé, bon, on va évidemment attendre que ce soit sec pour s'attaquer au gravage en fait des rebords des trottoirs. Par contre, moi, dans un souci de gain de temps, je vais déjà commencer à graver les bouches d'égout. Donc, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je me sers, parce que c'est grosso modo la taille d'une personne pour rentrer dans une bouche d'égout. Je les place vraiment en freestyle et je me sers d'un socle pour tracer mon rond. C'est important que le rond soit bien rond et faire un vrai rond à main levée, c'est quasiment impossible. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent faire. Donc je me sers d'un socle pour avoir déjà la base de mon cercle. Donc je vais en faire une ici et je vais en faire une, on va dire, par là. Bon, de manière générale, elles ne sont pas au milieu de la route. Donc j'ai envie de les excentrer un petit peu.
Alors là, je fais des bouches d'égout rondes, mais libre à vous de faire des carrés, enfin vraiment, vous faites comme vous le sentez. Donc là, j'ai tracé mon cercle, et maintenant je vais venir l'enfoncer un petit peu plus pour créer du relief, comme vous avez pu le voir quand j'ai fait la vidéo sur le château, sur comment sculpter des pierres, bah, c'est exactement le même principe. Donc j'essaie de bien garder la forme ronde. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est pour du jeu, donc s'il y a des petits défauts, c'est vraiment pas dramatique. Bon, le but, c'est de faire un truc joli quand même, mais. Donc là, j'ai fait mes ronds, et puis ensuite, moi, je rajoute de simples traits à l'intérieur. Donc je commence par un grand que j'épaissis, qui est grosso modo au centre. Je vais zoomer un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Voilà. Donc je commence par un trait au centre que j'épaissis et que je remplis, que je creuse bien. Puis ensuite j'en mets deux de chaque côté en les réduisant en taille. Voilà, en gros, tout simplement ce que ça donne. Et l'avantage, c'est qu'une fois que ce sera peint, bah, ça va être cool parce qu'on va se rendre compte de vraiment du relief. Parce que le but, ça va être de mettre tout ça en relief. Je vais faire l'autre côté. Alors là, en fait, c'est juste pour histoire de discuter un petit peu en même temps. Là, c'est une table de jeu pour jouer ou à Zombicide ou à Project Z. Ou alors faire carrément du jeu de rôle moderne. Enfin, dans un univers moderne. Et pouvoir illustrer la partie de jeu de rôle avec une table de jeu. Mais ça peut servir à plein de choses, hein. Ça peut être une table de démo pour un magasin. Ça peut être votre table perso chez vous. C'est la classe quand même. Ça peut être. Vous pouvez faire la même chose en bien plus petit. J'ai vu des gens faire ça pour des figurines de collection. Vous savez, des Batman, ce genre de figurines. Donc. Vraiment, ça sert à pas mal de choses. Et surtout, ça coûte peanuts. À part du temps, ça coûte peanuts. Donc là, j'ai fait mes bornes. Enfin, mes bornes, je vous dis n'importe quoi. J'ai fait mes bouches d'égout. Maintenant, je vais être obligé d'attendre que ça sèche correctement, en fait, pour graver les rebords des trottoirs. Parce que si j'attends pas, je risque de faire bouger les plaques. L'avantage, c'est que le déperon sur le polystyrène, ça se colle en. Allez, une heure ou deux. En une heure ou deux, c'est parfaitement sec et ça tient super bien. Donc là, je vais attendre que ça sèche et puis je reprends juste après pour vous montrer le rebord des trottoirs. Maintenant, tout est parfaitement sec, hein, donc ça bouge plus. J'ai aucun risque lorsque je vais graver de venir emporter le déperon. Donc bah, je vais m'attaquer à la gravure des rebords des trottoirs. Alors je fais ça à main levée, en tout cas pour les angles arrondis, pour les zones arrondies. Mais grosso modo, il faut que ça fasse, bah, en tout cas à mon échelle, ça fait grosso modo 0,5 d'épaisseur, donc 5 mm d'épaisseur. Et pour le moment, je fais que les virages, puisque les arrondis, je peux pas les faire à la règle. Pour la suite, je vais faire ça à la règle et puis on va voir ça ensemble. Donc bah, c'est parti pour la vidéo. Là pour le moment je fais tous mes angles et après je vais tirer en ligne droite pour les rebords des trottoirs. Donc là, j'ai terminé de graver les trottoirs. Vous avez vu que c'est extrêmement simple. Je me suis servi du quadrillage sur le déperon en fait
Bah pour faire l'échelle grosso modo de chacune des pierres qui est employée pour faire le trottoir. Je m'étais placé des petits repères parce que j'ai des petits endroits que je voulais modifier un peu. Maintenant, bah, on va attaquer la peinture de tout ça. Alors là, je vais le faire à la chaîne, en direct, sur une seule vidéo, enfin sur une seule portion de vidéo. Je ne vais pas m'interrompre pendant parce que entre chaque couche et chaque couleur différente, j'ai besoin que la peinture ne soit pas sèche pour que le mélange des teintes se fasse bien en fait. Pour les couleurs que je vais utiliser, il y en a trois. C'est un mélange de. C'est que de la peinture acrylique en gros tube comme ça. Je crois que c'est à peu près les mêmes couleurs que j'avais utilisées pour le château. Donc du noir qui va me servir à foncer en fait les rebords des trottoirs, vous allez voir. Ensuite un gris qui est le gris souris mat 42 de chez Cultura. C'est un gris assez sombre avec lequel je vais faire la route. Et ensuite un gris béton avec lequel je vais faire les trottoirs et toutes les zones plates qui vont accueillir les bâtiments ensuite en partie. Donc ça, c'est les trois couleurs dont j'ai besoin. Je vais avoir une palette très simple dans laquelle je vais faire quelques petits mélanges au fur et à mesure. Et évidemment, je prends un très gros pinceau. Donc c'est parti pour la peinture. Et voilà, c'est peint. Donc vous avez vu que ça prend, ça va dépendre de votre expérience en peinture. Le plus délicat en fait quand on peint comme ça sans s'arrêter, donc en gardant les couches, les premières couches qu'on a passées enfin pas encore sèches, bah, c'est en fait de réussir à bien étirer la peinture pour qu'elle se mélange et créer des espèces de zones de dégradé comme ça. Alors, il faut aussi pas oublier un point, ne pas trop se prendre la tête. C'est que si on regarde le béton des trottoirs, c'est jamais parfaitement de la même teinte en fonction des endroits. Il y a la pluie, il y a le soleil, il y a le passage des bagnoles, il y a les piétons, il y a tout ça. Donc là, le but c'était surtout de rajouter du relief. Les dernières petites choses qu'on peut rajouter, en tout cas au niveau du sol, ce serait bah, de peindre les plaques d'égout dans une teinte différente ou venir ajouter des petits décors à même le sol si on joue par exemple dans un univers post-apocalyptique ou par exemple on peut rajouter des gravats, des détritus. Ça va dépendre de ce que vous voulez en faire en fait. Personnellement j'aime bien quand c'est parfaitement plat parce que derrière je peux rajouter autant de petits décors que je veux et du coup à chaque partie je peux vraiment créer une zone différente d'une autre. Donc on a terminé ce petit tuto sur la peinture d'une zone urbaine, enfin d'une base de zone urbaine. Je rappelle qu'elle fait 60 cm de côté. Libre à vous de faire ça dans des dimensions différentes.
Pour les marquages au sol, tout ce qui est lié au marquage lié à la conduite, les stops, enfin pas les barres de stop, les passages piétons, etc. Il y a deux méthodes. La première, ça va être de les peindre à la main, mais ne pas oublier qu'il n'est pas évident de peindre une ligne parfaitement droite à la main. Donc, je vous conseille de les dessiner en fait au crayon, bien propre, et ensuite de remplir la zone. Moi personnellement, la méthode que j'utilise qui est plus simple, c'est le papier autocollant. Vraiment du papier simple, du papier normal, sauf qu'il est autocollant. Là par exemple, la marque c'est Agipa, c'est pas de la pub, hein, c'est juste pour vous aider à trouver. C'est une feuille, sauf qu'il y a un film autocollant hein, de l'autre côté. Et en fait, je vais faire mes découpes de bandes blanches, puisque souvent les marquages au sol sont blancs, en tout cas en France. Il y a aussi du jaune, mais on peut trouver des feuilles autocollantes jaunes. Donc je vais faire mes découpes de bandes blanches pour les passages piétons, puis je vais venir les poser les unes à côté des autres. Vu que c'est autocollant, bah, ça colle tout de suite. Et puis voilà, tout simplement. Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter une petite touche de vernis sur l'ensemble du décor. Attention à bien prendre du vernis acrylique et à l'appliquer au pinceau, pas à la bombe, hein, sinon vous risquez d'entamer la matière polystyrène. Et puis pour les finitions, vous pouvez évidemment faire les bords. Donc ça, libre à vous. Ce que je conseille dans le cas d'une zone urbaine, c'est de les peindre en gris. Comme ça, même si vous avez un petit décalage ensuite entre deux plaques lors d'une partie, on verra que du gris et du coup, c'est pas gênant. J'espère que ce petit tuto vous a intéressé, vous a plu, que grâce à celui-là, vous pourrez peut-être vous faire des tables de jeu sympas très simplement. Vous avez vu que ça prenait pas trop de temps. Ça dépend de votre expérience du matos, de la place que vous avez. Et puis, c'est des plaques que vous pouvez retrouver aussi sur le site, hein. Donc, je vous souhaite à tous bonne peinture et bon jeu. Et puis, on se retrouve très vite pour des nouveaux tutos. Ciao, ciao!